bienvenue pour la suite de Dying Light 2. Nous sommes à la partie 2 des vidéos. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Pour toi qui est nouveau, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification. Mettez votre plus beau pouce, le plus gros, le plus merveilleux des pouces. Et pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous démarrons de là. Alors, one again, Beast of Fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs. Yes, Birdie et toi, Loulou, derrière l'écran. Allez, go, come on, on y va. Rappelez-vous, l'épisode d'avant, nous devions atteindre la tour, la station. Mais le problème, je ne sais pas comment on y va. C'est là-haut. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup d'escalade. Hein, voilà. Là, on pourra pas monter. Hein. Là-bas, ok. Là, on nous met une flèche, ok. Ok, tyrolienne, yeah. C'est top, ça, c'est top. Ok, donc bien examiner les passages. D'accord, il fait faire le tour. Fallait s'en douter. Donc, nous sommes en mode difficile, les loulous. Pour le moment, ça va. Ça va, j'ai bien en main... que lui, on peut le faire en furtif. Bon, laisse tomber à coup de batte dans ta couane. Ah ben non, reviens. Ah bon, laissez tomber. De toute façon, dans ce mode, voilà, ils nous ont bien dit qu'il n'y avait pas grand chose à récupérer, hein. D'où la difficulté. Oh putain! Me tombez pas dessus! Hein. Oh! Le knight qui fait. Oh! Sauter sur une corde avec R1 pour vous accrocher, ok. Waouh! Hey, les gars! Franchement, GG, donc compétence, vous avez acquis. Eh ben allez! Vous avez amélioré une maîtrise de parcours et obtenu votre premier point de compétence de parcours. Vous pouvez à présent l'utiliser pour débloquer votre première compétence de parcours. Ah ben ça me plaît ça, vous voyez. Ok. Le saut vertical vous permet d'atteindre des rebords élevés. Pour cela, maintenez R1 enfoncé tout en sautant. Ok. Survoler... l'icône de la compétence pour en lire la description. Ok, maintenir. Faisant. Ok, super. Donc, ah mince. Ah, parcours. Ok. Et de sauter plus haut. Ah ouais. Eh ouais, ça c'est bien ça. Yeah. Et là j'ai plus de points. Mais déjà ça va aller beaucoup mieux. Parce que je sautais comme une fillette qui a pas de jambes, hein, je vous le dis. Voilà. Ouais, il est pas mal mon perso, vous avez pas vu encore. Franchement, voilà. Donc. Eh ben on va essayer ici. Ah ouais. Carrément plus haut, hein. Franchement, par rapport au premier épisode, les loulous. On fouille un petit peu au passage, hein, aussi. Vous en doutez. Ok, il faut aller là-bas. Tiens. Eh ouais, regardez. Si j'étais pas venu, là. Thank you.
Ah ouais, la corde elle est... Ouais, putain. Ah, il y a un coffre dedans par contre. Non, on rentre par où là? Ah, tout me bouffe de l'énergie en fait, hein. Je sais pas si vous avez vu. Mais même je tape, voilà, ça me ruine l'énergie. Hein. Ah ouais, d'accord. Waouh. Bon, les loulous, pour le moment, on n'est pas trop mal, hein, on n'est pas trop mal. Ah, faut aller dans cette baraque. Ah, il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. Ouais, comment je rentre? Comment je rentre dans la villa? Oh putain! Oh putain! Non! Ah ouais, c'est déjà la nuit! Putain! Je peux pas rentrer! Oh putain! C'est quoi ce bordel? Me faites... Oh! Ouais, c'est qui lui? Oh, t'es fou toi! Ah, donc attends, s'apprête à lancer une attaque puissante. Sa barre de santé clignote en rouge. Réalisez une esquive pour ne pas vous faire toucher. Pour réaliser une esquive, appuyez sur R1 pour, en vous déplaçant latéralement ou vers l'arrière. Ok. Le prochain, oh, tu me fais mal. Non, non. Ah ouais, l'endurance c'est chaud aux patates. Oh là là, je peux pas rentrer là. Thank you.
Ok. Chercher un endroit sûr pour la nuit. Bon, les loulous. Waouh, l'autre, putain. Ça a été déplacé. Quelqu'un les a déplacés. Il y a pas longtemps. Ouais. Ça. Ah non, mais c'est la lampe dehors. Débarrasser la zone désinfectée, mais... J'ai pas débarrassé la zone totalement désinfectée, là? Non. Ok, essayons. C'est ça, la station de diffusion. Faut démarrer le générateur. Ah, une pelle cassée, attends. Comment on met l'inventaire? L'inventaire. Ah, super. 14 de dégâts. En L15, 18. Ouais, elle c'est une bleue, on va garder elle. Hein. C'est une bleue. Modifier. On peut rien modifier, ok. Là, attendez. Oh! Ah ouais, mais c'est la même, ok. C'est la même. Là. J'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. Ok, bon. Écoutez, le problème... Ah, attendez, ma vie. Fabrication, hop là. On s'en fait des vies, parce que... Voilà, c'est important, hein. Ouais, l'autre il est en bas, il faut que j'aille le finir. Je suis obligé de le tuer quoi, je suis deg. Je suis obligé de le tuer l'autre. J'espère qu'il s'est pas remis de la vie. Bon, ben j'arrive mon ami. Hein. Il est où? Je l'ai eu les loulous. C'est bon, ouais, fallait pas le laisser en vie. Oh là 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 là, ça perd l'hippopette. C'est du pognon en plus, c'est du pognon. Il a du pognon, j'avais laissé le pognon par terre. Miséricorde. Ok. Ah, on va fouiller plus tranquillement maintenant parce que tout à l'heure ça a été le fiasco total. Voilà. Je vous dis, ce jeu est excellent, les loulous.
Je pense que la difficulté y est. Hein. Je pense. Mais voilà, c'est des jeux que si on farm, à mon avis, si on arrive à looter et à améliorer nos armes, ça aide quand même. Voilà. Ok, donc là, ça sera la sortie. Ah ouais, ils me disent d'aller en bas, hein, c'est ça, ouais, ouais. J'ai compris, mais attends, il y a un truc à prendre, là. Voilà. La gangrène, une machette à une main. Ah oui, la radio. Ah, c'est mort. Il faut rétablir le courant. Oh, putain. Je me disais bien que ça serait pas si simple. Oh, les loulous, c'est pas grave. On y va, on n'a pas peur. Allez, zouf. En tout cas, ce jeu est vraiment très très bien fait. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. N'hésitez pas. On peut fermer les portes là, ça me rassurerait, ouais. Voilà, merci. Je pense que les zombies ne savent pas ouvrir les portes, hein. Pas, par contre, il peut passer par les fenêtres, ça c'est... Wow. Il y a un truc là-dedans, non? Non. Ah, zone sécurisée, ok. Venez déverrouiller la première zone sécurisée, agrandissant par la même occasion votre réseau de points de réapparition. Ok. Toutes les zones sécurisées sont équipées de lumière UV, ce qui garantit votre sécurité pendant la nuit. Oh, bien! De plus, chaque zone sécurisée donne accès à une zone de repos qui vous permet d'alterner entre le jour et la nuit, ainsi qu'à la planque d'Aiden. Bien! Où vous pourrez placer les objets dont vous n'avez plus besoin dans l'immédiat. Ben voilà qui est bien ça, les loulous. Voilà qui est bien. Donc, à mon avis, c'est là. Super, la planque d'Eden. Donc, on a vu, lui, 18 de dégâts. On va la garder, hein. Bonus dégâts de 6 santé max, ok. On va placer tout ça, hein. Voilà, là, non. Bon, de toute façon, on n'a pas grand-chose, hein. Les gants, oh. Attendez, on a des gants. Non, c'est pas ça. Brassard. Où ils sont les gants? Là, ce masque, pantalon, chaussures. Ah ben les gants, putain, les gants, ils sont là, les gants. Bon, c'est ceux que j'ai de toute façon, allez. Une petite lampe UV, c'est sympathique. C'est parti. Oh merde, c'était laquelle déjà? C'est celle-là? Ici Aiden, terminé. Quelqu'un cherche un pèlerin? Terminé. Non. J'imagine que je vais devoir attendre jusqu'au matin. C'est lequel, putain, je me rappelle plus, loup. Je me rappelle avec plus. Ça, c'est l'heure de dormir. Je resterai demain matin. Ouais, il faut... Ok. Demain matin, il fera jour en plus, tranquille. Allez, on va se pioter. Wow, c'est bien.
Le jeu est tranquille. Petit combat, on fait dodo. Notre première planque, les loulous. Psst. Hayden. Hayden, bébé Hayden. On court ou quoi? Mais genre, maintenant? Non, quand on sera vieux. Maintenant, Heidi. On a besoin de matos. Tout est prêt. C'est alors, tellement ouais. Calme. Où sont-ils tous? Alors, peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Eh non. Allons-y. Maintenant. Un garde. Chut. Tout va bien se passer. C'est que des gamins. Fais quoi, toi? Attends ici. Choqué, là, les loulous. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346? Non. On était censé ramener les patients en ville. T'inquiète pas, ils vont nous laisser partir. Heidi, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sais. Wow. Fais ce que je te dis. Non, mais... Qu'est-ce que vous faites à ces gamins, doucement. Là? Tu vois, petite sœur? Même s'ils nous séparent, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Wow, cicatrice de brûlure de clope, quoi. Sérieux, mec, tu lui fais quoi, gamin, là? Docteur Walls, on n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. C'est lui, Walt. Ferme tes yeux. Mais qu'est-ce qu'il lui fait, enfoiré? Oh, je suis choqué. I am shocking. Au feu! Il y a le feu dans le labo! Cette histoire, quoi. Ah, ce Walsh, c'est un psychopathe, quoi. Il fait quoi, gamin, là? Ce fou. Il leur a mis un... Il leur a injecté quoi, là? Il est temps de contacter le gars dont Spike parlait. Eh, c'est quel le truc? C'est lequel? Putain, je sais plus. C'était lui, je crois. Non, 140, je sais plus. Ah, moi, la mémoire. C'est Hayden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Salut, Hayden? Oui. Ouais, c'est je bon, devais ça. Vous contacter. Je pensais que t'avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Waltz, pèlerin? Pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Ah, Mia. Il y a 15 ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Hayden. Sa sœur. Tu veux savoir pourquoi Waltz faisait ses expériences sur vous tous? Pourquoi tu es plus fort, plus endurant que les autres? Eh ouais. Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas? Peut-être. Rencontrons-nous, pèlerin. Où et quand? À l'entrée du tunnel du métro, près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. Ouah, wow, les loulous, quoi.
T'imagines que tu fais pas ça gratuitement? Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors. Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. Terminé. Attends, il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Oh putain, ça serait en vie quoi, des années après. Je vais au rendez-vous. 15 ans après les loulous, c'est on top plus ça. Tard, Aiden. Ils vont pas la faire mourir, peu cher. Attendez, parce que moi je cours comme un fada là, mais peut-être des trucs à récupérer hein, là-dedans. Non, là-haut on peut pas. Allez, loulou. C'est quoi ça, une tyrolienne quoi? Ouais. Yeah, les loulous. En avant Guingamp, ça envoie du lourd là. C'est excellent ces tyroliennes. Waouh, waouh, waouh. En même temps, on fouille les églises et tout. Hein. Dieu est mort, hein. Ouais, tu m'étonnes. Le paradis perdu, oh là là. Elle m'a fait peur la statue. T'es folle ou quoi? Arrêtez le bruit là, là ça sent. Il n'y a plus rien là, ok, il n'y a plus rien là. Allez. Avec la musique est extra. Hein. C'est haut là, non? Regardez-moi ça un peu. C'est oh my god, j'ai envie de dire. Ok, donc il va falloir que je plonge. On a tous compris. Il n'y a rien dans les coffres? Non, il n'y a rien. Eh ouais. Franchement, les décors me rappellent vraiment ceux de The Last of Us, quoi. C'est un birdie. Ouais, grave. Regarde. Allez. Nager pour remonter. Ok. Ah ouais, on peut trouver des trucs sous l'eau. Ah oui, regardez. Allez, allez, monte, monte. Waouh. C'est juste, hein, il va falloir améliorer le souffle hein, un petit peu. Arrête de fumer parce que Aiden, c'est pas bon pour toi. Fume trop. Oh, pas, t'as pas de souffle. Comment tu veux qu'on s'en sorte, Aiden? On est en mode difficile. T'as pas de souffle. T'as pas d'endurance. T'as rien. Allô? C'est Aiden, tu m'entends maintenant? 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Il y a une entrée, la seule que le GRE a laissée quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Vite. Ah.
J'ai pas entendu. Allez, on fait du kiting, c'est pas grave. On kiting. Allez. Combien? Laisse tomber, j'ai niqué mon arme et tout. Oh, putain. Oh là là, j'ai plus d'armes. Oh putain. Ça repop tout le temps en fait. Je croyais que c'était que la nuit. Aller où là? Ah ouais, je croyais que c'était que la nuit. Ah, je suis deg, j'ai ruiné ma batte. Et comment ça se fait que j'ai ruiné ma batte en fait, quoi? Je croyais que c'était éternel mes armes. Attendez. Il y a un problème là. J'ai un problème. Putain, ma batte. Une batte bleue. J'ai plus ma batte. Putain. Ah, il me voit en fait. Ah, laissez tomber les gars. Heureusement, je prends de quoi me faire de la vie. Voilà, tout ça, il va falloir venir fouiller, hein. Mais bon, sans armes, ça va être compliqué, hein. Pourquoi je peux pas là? Il y a pas qu'il y a quoi là? Ok, il y a rien. Du métro, ok, elle est ici. Je suis blasé, les loulous. Ma batte de baseball niveau 18, quoi. 18 de dégâts. C'était ma plus belle arme. Putain. Je savais pas, je croyais que c'était à vie. Il y a un truc là-dessous. Ah, mais d'accord, c'est pour se cacher. Ok, c'est pour se cacher. J'entre dans les tunnels. Hé, hey, tu m'entends? Je te rejoins bientôt. J'arrive. Il fait bien noir dans les tunnels, hein, je dis ça, je dis rien.
Normalement, faut rester au jour, on m'a dit, hein, on m'a dit, faut rester au jour. Qu'est-ce qu'il y a de bien, Léo Lou? Je vais vous le dire. C'est qu'on a l'instinct de survie. Il y a des modes difficiles, il n'y a pas l'instinct de survie. Ça a pas l'air bon. On n'y voit rien, là. Putain. Oh, mon Dieu. C'est pas bon du tout, là. En plein flip de flip. Oh putain. Oh merde. Non. Merci d'être venu m'aider, mon ami. Tu vas bien? Ce fumier m'a mordu. Un rapace. Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts. On vite à la lumière. Emilia. Ah, plus tard. Faut qu'on file. Non. Ça va passer. Reste fort. Ouais, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Te voilà. On te cherchait. Wow. Et que dis-tu de celui-là? Oh my god, j'ai envie de dire ce il jeu. Il a l'air mort. Il l'a pas sur lui. Allons-y. Wow. Je n'ai pas la clé, je le jure. Ah ouais, alors juste une lampe. Je sais pas si ça va m'aider à grand chose, mais bon. Dis-nous, bordel de merde. Trouver le contact de Spike. Je n'ai pas la clé, je l'ai détruite. J'ai fait ça tout seul. Le patron sera capable de l'amener à son frais. Où est-ce que c'est? Non, non. Ah, à pillard de... Ah ouais, ok. Oh yeah. L'épisode sera un peu plus long que prévu. Je m'attendais pas à... Voilà. Je sais pas de quoi tu parles. Laisse-le partir. Tu vas nous obliger à te laisser partir, Ratai.
J'aimerais bien te voir à l'œuvre. Allez-y! Voilà, j'ai pas de batte. Pour bloquer une attaque. Bloquer au dernier moment. Une... Ok. Un coup de pied. C'est moi qui te tuerai. Pense-toi bien. Allez les loulous. Ah c'est fait. Oh merde encore. Donc, nous finissons sur un combat. On va mettre les points de compétence. Vous avez amélioré votre maîtrise de combat et obtenu votre premier point de compétence combat. Cool. Maintenez pour acheter. Ok. Donc, R1 pour effectuer voltige. Oh. Sauter par-dessus les ennemis, désorienter et enchaîner un coup de pied. Courez vers un ennemi désorienté, appuyez sur R1. D'accord. Et appuyez sur R2 pendant la voltige. Super. R1, R2. Putain, il faut se souvenir de toutes les attaques par contre. Bon, et là, il n'y a plus rien. Super. Allez, on parle à notre ami et on s'arrêtera là. On n'a pas le temps. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvée. On ne peut pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur. Où est Mia? Tu vas aller au Fishai. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. Avec ça et son aide, tu sauras. Tu sauras tout. Compris? Protège-la. Si Waltz la récupère, la ville tout entière, tout le monde mourra. Waltz?
Est-ce que Walt est là? Ouais. Ils arrivent. Tu entends? Des renégats. Cours! On ira ensemble. Prends ça. Allons-y. C'est quoi ce bordel? Voilà, notre brebis est carré. Mais il n'est pas sain. Ouais, on peut réparer ça. Ouais, tue-le! Donc, ok. Servir de voltige pour avoir une meilleure mobilité durant les combats. Et longuement sur la run pour voltiger au-dessus de lui. Utilisant un coup de pied. Ok, bon. Je fais le truc que voltige. R2 en voltigeant. Ouais, bon. J'arrive pas. Franchement, les loups. Ah ouais. Ok. Bon, les loulous. Ça a été compliqué. Ah, il y en a encore. Il y en a encore, les loulous. Épisode un peu plus lent. La vie, j'ai rien envie, quoi, putain. Allez les loups. Il faut se barrer. Maintenant. Allez, donc on se barre les loups. Donc un peu plus long que prévu, je suis vraiment désolé. Trahir, tu es là. Est-ce que tu as ma clé? C'est Walt. Il faut qu'on se barre. Mais je le cherche. Espèce d'idiot, il te tuera s'il te trouve. Dylan! Merde, va au conduit d'évacuation. Vite, pars ici. Vas-y en premier. Qu'est-ce que tu fais? Walt peut pas avoir la clé du GRE, souviens-toi. Quoi? Laisse-moi sortir. Fichai, la Wall. Allez. Voilà le traître. Salut, Dylan. Hé, les gars.
Laisse-le partir. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? La clé ne t'appartient pas. Tu peux pas. Où est-ce que c'est? Ici. Non. C'est terminé. Désolé. T'es dans le brouillard? Pas vraiment. T'es juste en train de mourir. Avant la chute, mon grand-père élevait des chevaux. De belles races, rares. Je les aimais tendrement. Un jour, son cheval préféré est tombé. Il s'est cassé la jambe. Je pensais que grand-père l'aiderait. Mais il a juste sorti son pistolet. Et il l'a mis dans ma main. Il m'a dit... Fais-le pour lui. Puis il a pressé mon doigt sur la détente. J'ai hurlé. Je voulais que mon grand-père meure. Mais des années plus tard, j'ai réalisé. Ce qui doit être fait... doit être fait. Tu ne me laisses pas le choix, mon ami. Il y a quelqu'un. Dans le conduit! Chope-le! Bon, eh bien les loulous, nous allons nous arrêter là-dessus. L'épisode est un peu plus long que prévu. Mais bon, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire merci à tous pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. C'était bien cool. Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des futures sorties. C'est important, ça fait toujours plaisir. Pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien. On dit bye bye les loulous, à très bientôt, je vous aime à tous, allez, ciao.